On en parle, la tête du matin. Regardez ça. J'arrive pas à me lever le matin. Je dors tellement peu la nuit. J'arrive pas à me lever. Heureusement qu'on est en confinement et que je bosse que le soir. Ce soir, je bosse. Et voilà. Mais j'arrive pas à me lever. Je sais même pas quelle heure il est. 11h57. Je vais aller prendre une douche, je crois. Et je vais aller m'habiller. Je vais me mettre en jogging parce qu'aujourd'hui je dois mettre un jean ce soir. Avec mon t-shirt du boulot. Autant vous dire que ça fait bizarre de me remaquiller en entier. J'ai fait tout, le teint, les yeux, parce que j'ai envie de tester justement le all-nighter de chez Urban Decay, le spray fixateur. Je l'ai testé, enfin je l'ai mis, et du coup je vais voir ce que ça donne avec le masque porté, parce que j'ai pas de spray fixateur matifiant et tout ça pour porter mon masque sans en mettre partout. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi j'ai le teint complètement mat et ça, j'adore. Je fais quelque chose d'assez léger parce que j'ai pas forcément le droit de me maquiller très coloré au boulot. Mais on va voir ce que ça va donner. On en parle de cette vidéo de malade, de cette musique de malade de Little Big. Franchement, je les kiffe, ces gars-là. Oh putain, ils sont excellents. J'adore. J'ai reçu la notif ce matin et j'arrête pas de l'écouter depuis qu'ils l'ont sorti, cette chanson. Elle est excellente. Là, je viens de me faire une petite séance manicure. J'ai fait du noir. J'ai envie de ressortir le noir. Ça fait du bien, un petit peu. Retour aux sources. Par contre, bon, là, il faut que je finalise, hein, parce que j'ai les ongles tellement courts que du coup, bah, j'en fous partout. À partir de ce soir, je ne vous montre plus le fait que je prends ma cure de levure de bière. Voilà, parce que ça me saoule, c'est tout. De toute façon, je vais faire ma cure pendant 2 mois, basta. J'en ai marre de montrer tout le temps que je prends mon putain de... Mes 5 gélules tous les soirs, ça me saoule. Bon, sur ce, je vais aller me coucher. J'ai passé toute la soirée après le boulot à regarder le live de ma pote Yuki. Ça a fait du bien! Qu'est-ce qu'on a rigolé, c'était cool. Bref. Je vais aller me coucher, je suis crevée. C'est pas le fait d'avoir bossé, je sais pas. Je suis fatiguée. Allez, bonne nuit.
Je me suis levée un peu plus tôt, mais j'ai traîné au lit. Et Monsieur Banco? Toujours coiffure du matin, bonjour. J'ai reçu un colis. Je suis trop contente. Je l'ai commandé il y a moins d'une semaine. C'est Pretty Little Thing et l'avantage de ce site, c'est que je sais que je suis livrée très rapidement. Je vais vous montrer. Alors déjà, là, je peux pas vous montrer plus. C'est un cadeau pour Clara, parce que je sais pas quand est-ce que le vlog sortira, donc je peux pas vous le montrer. Je me suis racheté ma petite poudre compacte de chez NYX, que j'ai terminée et que j'adore. Et pour finir, qui dit confinement, dit jogging. Je m'en suis recommandé un, donc noir, avec un gros liseré sur le côté, blanc et gris. Je vais l'essayer tout à l'heure. Et je suis trop contente. Parce qu'en plus, là, ça va serrer, donc ça c'est cool. J'aime trop. Voilà. Petite balade avec Clara. Je suis trop contente. Mon papa il est trop mignon. Avec nous. Essaye d'en caresser une, la noire elle va se baisser normalement. Tu veux que je l'ai mis? Vas-y, vas-y. Parce qu'en plus je suis toute noire. Non, il n'aura pas. Non, regarde-le, regarde-le. Moi j'ai ma main pour manger. Du coup, petite balade avec ma soeur. Et ma maman. Regarde Laurent. Oh, oh du coup! J'ai demandé si je faisais un mais il est Noël. Elle m'a dit il n'y a pas de soucis. J'ai dit vous me paierez le café et je le ramènerai. Carrément. C'est un énorme. Regarde ta capuche! Putain, c'est vrai qu'elle est énorme! Elle est énorme! Attends, c'est quoi qui est une. C'est une cape! Ah putain! Ça suffit. C'est peut-être une des seules fois que vous verrez Clara dans ce vlog. Du bruit. Ah bah oui! Oh la petite balade, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Non, c'est une petite balade avant de me rentrer. Voilà, et moi avant d'aller bosser. Oh putain oui c'est vrai. Ouais. Bon, là du coup, j'ai fini de monter le vlog reconfinement jusqu'à là. Ce que je vais faire, vu que ça va être beaucoup trop long, là j'en suis déjà à 26 minutes de vlog alors que j'ai fait un tout petit peu plus d'une semaine. Donc, toutes les semaines, oups, ça a vibré. Toutes les semaines, en fait, je vais faire le montage. Enfin, comment expliquer? Je vais faire le montage de mon reconfinement sur la semaine. C'est-à-dire là, vous aurez eu donc le premier jour du confinement vendredi dernier et je vais arrêter le premier vlog reconfinement numéro 2 jusqu'à vendredi, donc hier pour moi. Et donc après, bah, du coup, je continuerai, mais je ferai voilà toutes les semaines. Je pense que ça fera des vlogs assez chargés, assez sympas. Voilà, une semaine de contenu sur chaque vlog. Je pense que ça peut être pas trop mal. Je vais tenter, là je suis en train de l'exporter et j'ai bien fait parce qu'en fait la dernière fois je l'ai exporté, vous savez je vous avais dit pour regarder s'il n'y avait pas de retouches à faire et j'ai bien fait parce que du coup il y a des fichiers que j'ai perdus et que j'ai pas pu retrouver pour remettre sur Filmora, donc du coup bah, j'ai dû prendre l'export de la vidéo et de la mettre sur le montage, mais j'ai trop bien fait putain. Donc là je suis en train de l'exporter, il y en a pour 15 minutes et je termine le montage et après je commence à me préparer pour aller au travail.
En tout cas, ça fait tellement du bien de voir ma sœur. Elle m'avait trop manqué. J'en ai marre de pas la voir, parce que d'habitude, on se voit tous les jours au travail, on se voit les week-ends, mais là, on se voit plus. Alors, on a fait une petite exception à la règle, elle a fini le travail, elle est venue manger à la maison. Mais j'étais trop contente de la voir, ça fait trop du bien. Mais c'est passé trop rapidement. Mais elle me manque beaucoup et j'espère que les gens respecteront les règles pendant ce confinement, pour qu'on puisse passer les fêtes en famille. J'aimerais vraiment, parce que cette année on y refait avec Clara et Vincent et j'ai vraiment envie de passer les fêtes tranquilles avec cette année pourrie qu'on a eue. Déjà, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de tout ça. Alors si en plus je peux pas fêter les fêtes avec ma sœur, c'est mort. C'est mort. Bref, donc je croise les doigts que les gens puissent respecter les règles, s'il vous plaît. Oh putain. Bref. Allez, mon chien. Recule. Recule. À tout à l'heure. Salut. Guys, je viens de rentrer du boulot, bon ça fait un petit moment, mais bon je viens de manger. Là je suis en train de faire le montage de ce vlog reconfinement. Je galère en fait depuis cet après-midi parce que je veux pas faire du coup des vlogs trop longs. J'en ai parlé à Clara, elle m'a donné une bonne idée cet après-midi. Elle m'a dit en fait, bah tu fais un vlog à la semaine. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, je suis pas sûre. Donc du coup je me suis dit c'est pas mal, du vendredi au vendredi et tout ça jusqu'à la fin du confinement. Et du coup, depuis cet après-midi, je galère parce que forcément, j'ai avancé le montage jusqu'à aujourd'hui et depuis le début du confinement. Et du coup, il faut que je coupe au bon moment, que je supprime tout le reste du montage que j'ai fait et que j'exporte la vidéo et tout ça. Il n'y a rien de plus simple, mais j'y arrive pas depuis tout à l'heure. Et après, bah, dès que c'est terminé, j'annule le fait d'avoir supprimé mes fichiers que j'ai montés. Et je supprime le début du vlog pour pouvoir faire la suite. C'est tout con, c'est tout simple, mais depuis cet après-midi, je n'y arrive pas. J'ai toujours un truc de travers, j'ai toujours une musique qui n'est pas au bon endroit au bon moment, j'ai toujours un souci. Et là, j'y arrive. La première partie du vlog, du coup, est exportée. Je suis contente, je pourrais vous la mettre en ligne pour jeudi. Alors, pas jeudi qui arrive, mais jeudi d'après, je sais plus le. Pas le 14, mais la semaine d'après, je pense, je sais pas. Et du coup, ben, il faut, voilà, après, je vais continuer du coup mon montage jusqu'à vendredi prochain pour moi. Donc voilà, petit à petit, j'y arrive. Pourtant, c'est tellement simple, mais j'y suis pas arrivée. Bref. Bonjour. On dirait que j'ai la tête dans le cul, mais un tout petit peu. Je me suis levée à 10h, enfin réveillée à 10h, levée à midi. J'ai bien dormi cette nuit, ça fait du bien. Bref, voilà. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Par contre, là, je suis en train de me gratter jusqu'au sang, c'est pas bon du tout. C'est dégueulasse. Encore deux boutons là, là. Ça, c'est les règles. C'est même plus le masque, c'est les règles.
une petite tonte s'impose. Les branches là qui poussent, c'est celles qui vont faire des fleurs. Ouais. Et si tu les laisses faire et que tu attaques jamais le milieu, eh ben, arrive un moment où au milieu, tu n'as que de ça. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment une taille courte pour que toutes les branches qu'elle va faire pour le printemps, c'est celles qui vont fleurir. Et pour te couper les cheveux, je prends la même chose ouais. ce soir. Il est 9h30, c'est beaucoup trop tôt. J'ai la tête littéralement dans le cul. Bon, moi je viens de rentrer des courses. Je me suis fait un petit plaisir. Ça va pas coûter bien cher. Enfin, déjà non, c'est même pas moi qui ai payé, c'est mon père. C'est lui qui a fait les courses cette semaine. Putain, ça arrête pas de vibrer. Ah, c'est clair. Donc, ouais, là je vais avancer mon vlog du coup, comme d'hab. Et puis après, je vais aller manger. Voilà le petit plaisir. Ça, c'est ce que j'avais besoin. Dissolvant, lingette, de la solution pour lentilles parce que l'autre est presque terminée. Et les petites choses à manger. D'ailleurs, je vais commencer par l'apéro. Hop là. Avec un petit coca devant l'ordinateur. Uhou, c'est Halloween. Je me fais un petit masque parce que là. Avec tous ces boutons, j'en peux plus. Ça fait vraiment flipper de mettre un masque, en fait. Je ressemble à rien. Oh merde, j'ai pas attaché mes cheveux correctement. Oh non, ça va être tout gras. Bon, bah, je prendrai ma douche ce soir. C'est pas grave. J'ai fait que du Minecraft. Oh, ça fait 2 heures que je suis sur Minecraft. J'arrête. J'ai mal au crâne. Je suis fatiguée, en même temps debout à 9h ce matin, ça pique le cul, donc voilà, je vais mettre ma musique et c'est tout. Vous n'êtes pas prêts à voir le film que je vais regarder ce soir. J'ai vu qu'il était sur Netflix, du coup j'ai trop envie de le regarder. Les souvenirs, je vais vous montrer, vous n'êtes pas prêts. Seuls les vrais savent, franchement. Max! Mamato! Tu étais bien trop coulant avec ces délinquants chouvéniles et leurs petites gentillettes. Alors, ils veulent qu'on fasse connaissance. Ils veulent passer quelques instants privilégiés avec le Grinch. J'ai envie de m'offrir un bol fou de chou. Je suis en train de faire un masque pour les pieds, comme vous venez de le voir. C'est la première fois que j'utilise ça. Bon, forcément, je les ai achetés à Sephora. Et autant vous dire, ça fait bizarre. Je pensais pas que ça se présentait comme ça, en fait. Enfin, j'avais vu des vidéos il y a longtemps, mais je m'en rappelais plus. Et alors, je sais pas si c'est censé être agréable ou pas, mais ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression que j'ai des tout petits pieds avec ça. Ça fait trop chelou.
Ça, c'est le style. Moi, je vous le dis. Je me refais un masque. Cette fois, par contre, c'est un masque peel-off de chez Révolution. Chez Make Up Révolution. Dommage, j'ai pas de luminosité, mais il y a plein de paillettes. Et il est rose. Là, je sens que ça commence à sécher un peu. Donc, je vais attendre qu'il sèche et je vais l'enlever. Oh! Pardon. C'est vraiment dégueulasse comme ça s'enlève. Attends, je trouve pas. Clap, bonjour et bienvenue dans bonjour. Une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, merci tout d'abord d'avoir cliqué sur ce vidéogramme. Ça me fait vraiment très plaisir. Pour ceux qui connaissent la maison, installez-vous, oh, prenez un verre. Putain, voilà, on est je bouge partout, ça s'enlève pas. Pour ceux qui débarquent, eh ben, bienvenue. Installez-vous pareil en fait. C'est le même accueil. D'accord. Il n'y a pas de discrimination en fonction des abonnés, des non-abonnés. Non, vous êtes tous les bienvenus. Mais activez la cloche là. Parce que sinon, je vais être complètement vénère en fait. Parce que ça va me saouler de ouf. Ok. Ambiance de merde. Comment allez, ça mesdames peut être et messieurs, je sais que ça peut satisfaisant. Être lointain, mais à une époque, il y a eu l'école. Tout ce qui est éducation, tout ce qui est... tu sais quelle ça, parce que moi je sais... Ok guys, je viens de me maquiller, puisque ce soir je travaille... Donc, faut que je fasse un minimum au moins les yeux. J'ai pas fait le teint. Update de la peau. J'ai plus de boutons. Il me reste juste un tout petit là qui va pas tarder à partir. Là, c'est juste un tout petit volume. Mais sinon, j'ai plus de boutons. J'ai que les marques, en fait. Et j'ai encore là, là. Parce que là, j'avais un bouton de règle. Et vu que je m'étais grattée, et ben, du coup, je me suis grattée jusqu'au sang. Donc, il y a juste là. Mais sinon, j'ai plus de boutons. Et ce qui m'a fait enlever les boutons par rapport au masque, c'est ça. C'est du dermocuivre. C'est mon père qui me l'avait acheté et du coup, top, top, top. Au bout de quelques jours, j'ai vu la différence et franchement, nickel. Bon, là, je crois qu'il y a du boulot. Et il va falloir que j'y fasse tout de suite. Je rentre chez moi. Pff. Allez, tire. Vas-y. Oh, il est tombé. Titi. Oh, Titi. Oh, mon Titi.
On se met encore dans l'ambiance de Noël, les gars. Je regarde un autre film de Noël. C'est pas bien. Enfin, c'est pas un film, là, c'est plus un dessin animé, une animation. Tout le monde connaît. Tout le monde l'a déjà vu au moins une fois.